En vrai, si le train d'attente c'est un 3, elle est nulle, c'est pas loin. Mais bref. Test, ok. De toute façon, je sais pas s'il y aura du monde sur le stream, mais. Oui, le son bouge, je viens tester. Bah, je vais essayer de le monter. Non, c'est déjà assez bon. Test. Là, ça bouge. Là, c'est pas bon. Quoique, non, en fait, c'est bon. Ça me paraît bon. On teste le stream au cas où il y en aurait qui. Le son est pas ouf? Bah, pour le coup, le taux de mixage au max. Ah, je sature un peu. Ah, genre, c'est trop fort. Bah si ça sature, c'est plutôt trop fort. Mais là, ça montre pas de saturation. Là, c'est bon? Ok. Ok, nickel. Je mets le lien du stream, quoique... En fait, flemme. Non, pas flemme. Attends. Mais là aussi, sur Twitch. Nouveau youtubeur. Je vais voir les 2024. Ah, je partage juste le lien pour les 2-3 qui pourraient être intéressés par Linux. Ben on commence quand vous voulez, à partir de maintenant. C'est pas bon? Ah oui, je suis con. Transition. Ok. Bon, en vrai, vu que vous n'êtes pas nombreux, on va faire ça plus convivialement. Déjà, est-ce que vous avez déjà touché à Linux? Oui. Avant Epita. Ouais, ok. Du coup, quelqu'un sait ce que c'est que Linux? C'est un kernel. Mais on va plutôt en parler comme si c'était un OS ici. Mais ok, et c'est quoi un kernel? Quelqu'un? Le noyau de l'OS, oui, c'est la traduction. déjà, c'est pour un OS. Plus simple. Avant de parler de kernel ou quoi que ce soit. C'est ça. En fait, il y a plusieurs PC qui vont avoir des configs différentes. Et du coup, faut que vous, en tant que programmeur, quand vous écriviez un code qui run... partout pareil, une fois qu'il est compilé. Et du coup, le but de l'OS, ça va être de faire la traduction, si vous voulez, entre les ordres et ce que le composant peut vraiment comprendre. Du coup, voilà, vous pouvez avoir tout un tas de composants, machin. Là, j'ai volé les slides. Voilà, c'est celle de l'année dernière. C'était pas moi qui ai présenté. Et donc, voilà. Vous allez avoir, waouh, des programmes. Un programme qui s'appelle l'OS qui va en fait interagir entre les autres programmes et du coup le reste du matos. Ok. Ok. Du coup, pour vraiment comprendre ce que c'est que Linux, il faut déjà comprendre qu'à une époque, les PC n'étaient vraiment pas compatibles entre eux. Et du coup, vous pouviez avoir une machine qui a été fabriquée et tout, mais pas d'OS particulier. Et il y avait Bell, les inventeurs des transistors, la boîte qui a inventé les transistors, Bell, qui s'est dit que il y avait un business et ils ont fait un truc qui s'appelle Unix KS. Pardon, Unix, pardon, CS, my bad. Unix avec CS. Et en fait, c'est un logiciel propriétaire
Là où vous entendez beaucoup Linux, c'est libre, tout ça. Mais à la base, Unix, c'était propriétaire. Et du coup, il fallait pousser les gens qui faisaient de l'info à l'époque à utiliser leur truc. Tous ils se sont dit qu'une bonne idée pourrait être d'aller voir des universités et de leur dire bon, bah, on vous donne la licence gratuite pour utiliser Unix. Et du coup, vos étudiants vont apprendre à l'utiliser et quand ils sortiront, bah, ils voudront l'utiliser. Voilà. Et Unix, c'était vraiment, vraiment cool. Bon, ça a été récréé, tout ça, on s'en fiche un peu. Unix, c'était vraiment cool, mais ce qui était plus. Enfin, mais ça faisait pas tout. On voulait l'améliorer, modifier des trucs, faire que ça marche mieux sur cette machine-là, ou juste rajouter des fonctionnalités. Et du coup, bah, les étudiants et les profs ont inventé d'autres versions d'Unix qui sont en fait pratiquement les mêmes, mais avec des bouts de code qui changent. Et on appelle ça des BSD. Okay? Alors, du coup, tout le monde était content, sauf les gens qui n'y avaient pas accès, les gens qui n'étaient pas dans des universités et qui ne voulaient pas forcément payer Mastune. Okay? Et aujourd'hui, du coup, vous avez plein de BSD que vous pouvez utiliser, sauf qu'à une époque, bah, c'était pas vrai. Parce que les BSD, même si du coup ils étaient très modifiés, bah, ça restait de l'Unix à la base et donc ça appartenait à Bell et personne ne pouvait l'utiliser. Il y a eu un moment assez marrant qui a été le moment où les BSD étaient tellement modifiés que c'était plus Unix du tout. Mais il y a eu une phase assez grande de transition, enfin une phase de transition assez grande et plein de procès. Pendant cette phase-là, il y a Ritchie, il me semble, Linus Ritchie, il me semble, mais c'est pas écrit, qui a inventé Linux en copiant Unix. Donc Linux, c'est juste le kernel. Le kernel, du coup, pour répondre, c'est la partie qui va vraiment parler avec les composants. Donc c'est sur ça qu'on va ensuite construire le reste de l'OS. Et donc il va le poster, et il va le poster sur un Usenet Group. Usenet Group, c'est l'équivalent des forums, mais à l'époque. Et il a posté sur un forum d'une version de BSD, il me semble. Du coup, bah, il s'est fait crasher sur la gueule par absolument tout le monde. Parce que. Enfin, c'est un peu comme si vous disiez que le PC c'était mieux sur un forum de console. Voilà. Sauf que là, en plus, c'est vous qui l'avez inventé le PC, du coup, c'est pas ouf. C'est vraiment marrant d'ailleurs. Là, je suis complètement en train de plagier la compte l'année dernière. Mais c'est juste vraiment marrant que. Enfin. L'Usenet est encore accessible. Et si vous lisez ce qui se disait à l'époque sur Linux en mode ça marchera jamais, va mourir, enfin, vous connaissez Internet. Et du coup, bah, c'est vraiment marrant de voir qu'aujourd'hui, la majorité des serveurs du monde marchent là-dessus. Je ne prends pas Windows 2003 serveur. Ok. Yep. Bon, alors, juste histoire d'être complètement impartial, il y a plein d'autres BSD possibles, versions, machin. Mais il y a de fortes chances que vous utilisiez Linux. Déjà parce que, même si vous l'utilisez, enfin, déjà parce que vous utilisez Arch Linux à l'école, parce que pas le choix. Mais à part ça, parce que vous avez probablement un téléphone Android. Et Android, c'est juste Linux, mais avec des trucs au-dessus. Genre une surcouche de Linux. Voilà. Et quand vous jailbreakez ou que vous rootez votre Linux, en fait, vous mettez juste le root, l'accès root. On reparlera des permissions plus tard. Ok. Fun fact d'ailleurs, macOS est une version de Unix. Du coup, c'est un BSD. Bref. Mais alors, vraiment, c'est quoi Linux? Qu'est-ce qui change C'est quoi qui fait la différence entre Linux et n'importe quel autre BSD? Bah, Linux, de base, avait. On dit une philosophie, mais plus une vision des choses qui était un peu plus généraliste. Déjà, le but numéro 1, ok, bah, c'est pas ce qui est écrit ici, mais le but numéro 1 de base, c'était de toujours privilégier la portabilité à la performance. Faire en sorte que vraiment, si vous avez Linux, vous êtes sûr que ça va marcher. C'est ce qui fait d'ailleurs, on le fout vraiment partout, sur vos téléphones, sur les serveurs, sur les PC de l'école. Et aussi un autre truc, et ça sera plus important pour ce dont on va parler tout à l'heure, que chaque programme fasse une chose bien. Okay? Et on verra tout à l'heure que les commandes que vous utilisez par exemple sur votre terminal,
Mais en fait, c'est des programmes eux seuls. C'est juste ils sont tellement bien faits et restreints que simplement non. Oui, un autre truc important, du coup, sur Linux, tout ce que vous avez sur Linux, que ce soit du matériel hardware ou des fichiers ou des programmes, c'est des fichiers. Ça peut faire bizarre, mais. Bref. Donc, c'est des fichiers. Et vu que j'imagine que vous avez déjà utilisé Windows dans votre vie, vous avez peut-être remarqué un truc qui est différent entre le moment où vous utilisez Linux et le moment où vous utilisez Windows, qui est que sur Windows, vous avez des partitions et qu'elles ont tout un nom. Par exemple, vous commencez par C:// lorsque vous avez un chemin. Et en fait, c'est parce que sur Windows, vraiment, votre disque dur est parti. Enfin, sur Linux aussi, mais comment dire. Windows va partir du principe que vous avez un espace de stockage et descendre de cet espace de stockage-là et avoir votre arborescence à partir d'une lettre. Sur Linux, non. En fait, sur Linux, vous allez avoir juste l'anti-slash et vous allez faire un arbre général. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça en algo. Des arbres généraux, non. Ok. En fait, c'est très simple, c'est juste vous allez coller des éléments les uns aux autres et vous allez avoir des parents et des enfants. Puis des enfants aux enfants. Et chaque. Voilà. Et vous pouvez en avoir le nom que vous voulez. Vous verrez ça plus tard, c'est vraiment easy. Mais bref, vous allez avoir un chemin avec un slash au début. Et du coup, ça vous évite le problème d'avoir un C et un D et un E et ce que vous voulez. Là, au moins, vous commencez toujours par l'anti-slash. Voilà. Et du coup, quand vous allez rajouter des trucs, par exemple un composant, vous allez directement le rajouter là où vous voulez dans votre arbre. Alors, en tant qu'enfant de quelque chose d'autre. C'est pas moi qui fais la slide encore une fois. Ok. Alors, oui, quand vous allez brancher du coup un espace de stockage à votre PC, sur Linux, il va être considéré comme étant un fichier, et donc il va rejoindre l'arborescence aussi. Okay. Là, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer comment utiliser Linux plus que comment fonctionne Linux. Donc, comment utiliser Linux, votre disque dur va servir de fichier et va être rajouté à l'arborescence. Et là, par exemple, si je rajoute une clé USB, ma clé USB va être rajoutée à l'arborescence. Et là, c'est ce que vous voyez en bleu. Ce que vous voyez, le Moultoon, en fait, c'est vraiment l'espace qui m'est dédié à moi. Enfin, je ne m'appelle pas Moultoon, mais c'est l'éditeur de la slide. Et donc, aussi de base, vous allez avoir cette config là, enfin ces dossiers là, tout en haut de votre arborescence, et ils vont pouvoir servir à faire des trucs utiles sur votre Linux, genre le bin qui va servir à mettre des programmes, et c'est notamment là-bas que se situent les programmes de commande que vous allez utiliser. Du coup, là, etc. qui va servir pour les config system, par exemple. Alors, je sais pas si c'est comme ça que fonctionne le CRI, mais on pourrait penser que c'est là-bas qui décide si vous utilisez Windows ou Alt. Voilà, c'est juste. Home, c'est le plus important, c'est là où vraiment il y a vos fichiers à vous, c'est là où vous gérez. Et on verra ça plus tard encore une fois, mais par défaut, vous êtes. Par défaut, l'utilisateur n'a d'accès, enfin, n'a les permissions que sur son home à lui. Ok? Et du coup, bon, j'ai dit, j'ai rajouté que l'USB et TMP, c'est des fichiers temporaires. On s'en fiche, c'est bon. Alors, pour parler des utilisateurs, justement, donc un utilisateur a son propre espace, c'est le home. Et par contre, ce qui va se passer sur Linux, vous allez avoir deux distinctions entre les utilisateurs. Vous allez avoir des groupes d'utilisateurs, par exemple votre classe, et vous allez avoir les utilisateurs eux-mêmes. Ok? Du coup, lorsque vous allez regarder un fichier, puisque encore une fois tout est un fichier, lorsque vous allez regarder un fichier, vous allez avoir des permissions, un créateur, un propriétaire du fichier et un groupe qui peut accéder au fichier. Et en fait, tenez, si vous deviez gérer des permissions avec ce système-là, comment vous feriez? Question rapide, des permissions. Déjà, est-ce que vous me comprenez quand. Ok. Si vous deviez créer un programme et que vous avez des utilisateurs qui peuvent utiliser des fichiers sur votre programme, comment vous géreriez les permissions?
Ok, ça marche. Mais là, tu ne peux pas faire sous-groupe ou sous-groupe. En fait, un fichier a vraiment un propriétaire, un groupe, et c'est tout. Du coup, effectivement, on fonctionne à peu près comme ça, sauf qu'on n'a pas plusieurs groupes. C'est vraiment le propriétaire a en général tous les droits. Le groupe a en général le droit de lire le fichier. Et les autres, bah, ils ont le droit de rien faire du tout. Voilà. Le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, mais juste, vous imaginez qu'à l'époque, on n'allait pas écrire dans chaque fichier, ok, propriétaire a tant de permissions, et ces permissions sont lecture, L-E-C-T-U-R-E. Non, on n'allait pas se faire chier. Du coup, on a trouvé une solution plus simple, c'est d'assigner des nombres aux permissions. Et par exemple, pas, enfin, pas par exemple, voilà les permissions que vous avez, lecture, écriture, exécution. Et du coup, pour spécifier qu'un utilisateur a une permission donnée, bah, vous allez juste donner le nombre. D'ailleurs, vite fait, une commande qui vous sera utile dans la vie, c'est chmod, enfin chmod, et ça vous permettra de changer des permissions rapidement. Et si vous mettez par exemple chmod 777, ça veut dire que vous donnez tous les droits au propriétaire, à l'utilisateur et à tout le monde. En fait, le dernier 7, c'est tout le monde. Yup. Oui. Alors, rappel. Le but d'un OS, c'est d'interagir entre les programmes et le hardware. Okay? Donc, c'est vrai, d'un côté, l'OS va interagir avec vous, puisque vous mettez des inputs dans les programmes, mais il doit aussi gérer les programmes entre eux. Okay? Ça, c'est clair. Et du coup, quand un programme va lui-même créer un dossier, par exemple, bah, ce dossier, c'est qui son propriétaire? Est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est le propriétaire du programme? Est-ce que c'est l'endroit dans lequel le programme est exécuté? Et en fait, encore une fois, un programme sur Linux, c'est un fichier. Donc, il est déjà dans un endroit de votre arbre essence. Et en fait, il va juste hériter des droits de ses parents, enfin de son père direct. Enfin, son parent direct. Vous pouvez imaginer que les fichiers sont féminins. Et du coup, bah, si par exemple le créateur bah, c'est Multune du fichier dans lequel votre programme est, alors votre programme va juste enfin, va toujours dire que Multune est son utilisateur. Et du coup, bah, voilà, il travaille dans un dossier. Et du coup, ici, votre programme va hériter des droits de ce dossier-là, sauf si on a précisé autrement. Donc là, il a des droits moins restreints, enfin, plus restreints, mais rarement. Bon, je crois qu'il ne peut juste pas avoir plus de droits. Ok, donc, oui, alors ces trois permissions-là suffisent à peu près tout expliquer. Si par exemple, vous voulez insérer des données sur un disque dur, il suffit de retrouver le disque dur dans l'arborescence, écrire dans le disque dur, et bravo. Vous venez d'insérer des données. Pour effacer, bah, vous éditez le. Enfin, vous mettez un fichier en écrivant ce qui reste en moins. Je vous rassure, aujourd'hui c'est plus optimal que ça. Mais ces trois. C'est juste pour dire que ces trois permissions vraiment suffisent à peu près à tout faire. Ok. Oui. Et donc un programme peut lancer d'autres programmes. Ça, c'est un truc qui est plutôt marrant. Et qui vous servira à faire des scripts pour automatiser des trucs. Ok, et il y a une différence du coup entre Linux et Windows dans la pratique. C'est que sur Windows, bah, vous avez des installeurs. Sur Linux, non, puisque il vous suffit d'installer le fichier et de le mettre à l'endroit où vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin d'installer et de rajouter des fichiers, machin. Ça sert à rien. Et ça peut paraître chiant, a priori, surtout bah, si vous avez l'habitude du confort de Windows. Mais en fait, c'est un gros avantage parce que les installeurs sur Windows ne fonctionnent jamais. Vous avez peut-être essayé de, je sais pas moi, désinstaller Dofus parce que vous passez à la prépa. Bah, si vous avez essayé de faire ça, vous avez peut-être remarqué qu'il vous restera des fichiers temporaires sur votre PC. Enfin, même pas temporaires, juste des fichiers qui servent absolument à rien, mais qui restent parce que l'installeur, enfin le désinstalleur du coup n'a pas fait son taf. Sur Linux, ce problème n'existe pas parce que quand vous désinstallez un truc,
vous le supprimez, il n'est plus dans l'arborescence et voilà. Vous libérez pour de bon la mémoire. Ok. Un autre truc du coup, c'est que, pour rappel, Linux, c'est un noyau, mais on a construit des trucs dessus. C'est-à-dire qu'en fait, de base, Linux va pas forcément contenir beaucoup de programmes qui vous seront utiles. Par contre, il y a plein de gens qui bossent ensemble sur Linux, et du coup, ça vous retrouve, vous retrouvez un truc qui s'appelle le Package Manager, qui va être votre dealer, voilà, et qui va vous filer tout un tas de logiciels utiles. Alors, package manager varie en fonction de la distro que vous utilisez. Voilà, j'ai oublié de le préciser, mais c'est écrit sur la slide. Et en vrai, grosso modo, tous les logiciels sont valables sur à peu près tous les Linux. Enfin, il y aura certains trucs qui seront plus spécifiques. Vous avez entendu parler de Kali Linux? Ouais. Bah. Du coup, je vais me taire. Ça t'en veut pas que j'en parle. Mais ouais, par exemple, vous aurez le Metasploit que vous pouvez utiliser sur Kali Linux est plus poussé que d'autres, enfin que le même Metasploit, enfin le même logiciel, mais sur d'autres versions de Linux. Tout c'était juste pour le fun fact. Faites pas trop de conneries. Ouais, par contre, les package managers vont vous être très utiles parce qu'en fait, comme je l'ai dit plus tôt, c'est chiant d'utiliser Linux justement parce que vous devez tout faire vous-même. Mais là, du coup, non, vous devez pas tout faire vous-même. Le package manager fait vraiment tout pour vous. Du coup, voilà, package manager, installer Firefox, ça vous installe Firefox. Dans la pratique, très souvent, quand vous allez vouloir télécharger des trucs, soit vous utilisez l'interface graphique parce que bon, on est quand même au 21e siècle. Soit vous allez sur le site, vous regardez comment on fait en terminal et vous copiez tous les installs. C'est pratique. Par contre, il y a un gros avantage que Linux a sur Windows, c'est les mises à jour. Sur Windows, les mises à jour, c'est toujours bien chiant avec un écran machin, redémarrer votre PC. Voilà. Sur Linux, vous écrivez Package Manager, mettre à jour. Alors, je vous rassure, enfin, pas je vous rassure, je précise, vous écrivez pas Package Manager, mettre à jour. Mais en fonction de votre package manager, les commandes ressembleront plus ou moins à un truc. Voilà. Mais tout, voilà. Vous écrivez votre truc, tadam. Tous vos logiciels sont mis à jour. Si vous voulez mettre à jour un truc en particulier, vous mettez le nom du package manager, la commande et le logiciel que vous voulez mettre à jour. Pour tout, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, c'est beaucoup plus pratique à condition que vous ayez mis les terminaux. Mais encore une fois, il y a des interfaces graphiques. Pas Epita, mais. Si vous voulez commencer à installer Ubuntu, il y a des interfaces graphiques et ça vous expliquera comment tout faire. Ouais. Donc là, on va parler de pratique. Et ouais, si vous connaissez pas trop Linux, mais apparemment vous êtes une salle qui a déjà un peu fait de Linux, mais si vous connaissez pas trop Linux, vous pourriez vous attendre à ce que Linux soit un truc horrible et moche comme ça. Mais encore une fois, dans la vraie vie, bon, on est au 21e siècle, les gens ont bien taffé. Vous avez des distros qui ressemblent à ça, ou ça. Ça, c'est plutôt type Windows, ça, c'est plutôt type macOS. Enfin, voilà. Il y a des trucs qui ressemblent à rien, mais c'est quand même joli. Celui-là, je l'aime bien d'ailleurs. Ouais. Donc, en pratique. En pratique, vous allez quand même avoir des galères sur Linux parce que là où Windows vous est, enfin, là où macOS vous a servi, Windows, bon, il fait ce qu'il peut, mais voilà. Linux vous dit de vous démerder, clairement. Par contre, même si Linux vous dit de vous démerder, c'est pas pour ça que ça va être absolument galère. Hein, vous êtes à Epita, il y a plein de gens autour de vous qui veulent bien vous aider. Pinguez-moi si vous voulez. Et du coup, si vous avez un problème, si vous comprenez pas votre problème, appelez quelqu'un, ce sera plus rapide. Si vous savez à peu près ce que c'est que le problème, genre vous avez un message d'erreur, coucou, c'est un message d'erreur à peu près utile, voilà, googlez. Ça coûte rien, ça vous prend 5 minutes. Si vraiment vous galérez, retournez à la case 1 et appelez un ami. Et si jamais vous savez comment résoudre le problème, deux cas, soit vous savez déjà le faire et vous écrivez juste man, nom de l'outil qu'il vous faut. Et là, vous allez avoir une documentation un peu dégueu, mais c'est pas grave, qui vous explique comment utiliser. Soit vous pouvez avoir le meilleur docu en tapant sur Google.
Soit du coup, non, soit Google. Ou bien vous retournez à la case 1 et vous appelez un ami. Voilà. En examen, ça marche pas, donc vous aurez le mal. Ouais. Donc là, si vous avez des questions, mais en vrai, la conf est plus longue, mais si vous avez la moindre question. Non? Sérieux, tout est clair? Tant mieux. Oui? Je vais montrer par l'exemple, quand tu ne connais pas la réponse à une question, tu vas sur Google, tu écris BSD, Berkeley Software Distribution, donc distribution de logiciels de Berkeley. Voilà. Je ne sais pas si ça fait référence à l'université ou au gars qui s'appelle Berkeley. C'est l'université. Nickel. J'en profite au passage pour vous dire qu'il y a une summer school de Berkeley et que les IPT1 peuvent y aller. Voilà. En info spé, donc deuxième année. Ça vous concerne derrière? Bonjour. D'autres questions? On passe à la suite? Ok. Oui, je suis con. Bah, du coup, c'est fini. Ah oui, alors, vu que, comme vous le voyez, la conf est super bien préparée, hein, la communication a ramené plein de monde et. Je suis super prêt et j'ai mes propres slides. Du coup, bah, je me suis levé tard ce matin. J'ai pris le premier PC que j'avais devant moi et j'ai pris en fait mon PC Linux. Mais c'est pas grave parce qu'on a un terminal. Donc, Sigwin, ça vous permettra d'émuler Linux sur. Enfin, d'émuler un terminal bash qui, du coup, est un terminal très utilisé sur Linux. On peut pas ouvrir? Si, c'est bon. Oui. Je sais pas. On en apprend tous les jours avec Satan. Ok, bah nickel. Bah, sinon, j'utilise juste Sigwin parce que je fais ça depuis que je suis. Enfin, depuis que je suis. Ok. Nickel. Tant mieux. Comme quoi, Windows a besoin de Linux. Je fais ma propagande, mais en vrai. Ah, c'est bon, ça apparaît pas sur le premier écran. Ok, du coup, un peu de pratique. Donc, oui, déjà, mount. Attends. Attends, du coup, c'est con parce que. Attends, je vais appliquer le duplicate, comme ça, je vois la même chose que vous. Ça sera moins chiant. Ah. Elle est passée au ma souris. Et là, ma souris. Putain, du coup, non, c'est de l'autre côté. À l'aide. Yop. Ok, donc, si je mount. Ah ouais, bon, normalement, il y a beaucoup plus de trucs bien bullshit, mais vu que là, on est sur Windows, ça passe mieux. Donc, en fait, là, ce que vous voyez, c'est. Absolument rien. Bon, ce que vous voyez en fait, c'est les points où on a monté des trucs sur mon arborescence. Seulement vu que c'est un émulateur, bah, vous voyez pas grand-chose parce que j'ai pas monté grand-chose puisque tout est déjà sur Windows. En fait, l'émulateur lui-même est monté sur Windows. Mais ouais, du coup, là, c'est. Il y a quoi? Bah, vous voyez que là, il y a mon user bin qui en fait s'est monté au niveau de C slash Sigwin. C'est dommage parce que je vous avais montré qu'il n'y avait pas de. Pas besoin de monter des trucs sur C en Linux, mais imaginez qu'il y a juste l'anti-slash au début. Et ouais, voilà. En vrai, si vous faites ça sur un vrai Linux, vous allez pouvoir voir genre votre disque dur, votre PC, où est-ce qu'il est monté, où est-ce que le machin est monté, où est-ce que vos clés USB sont montées dans l'arborescence. Ça peut être pratique si vous voulez faire des trucs un peu compliqués, sinon bah, ça sert juste à se la péter parce que vous avez plein de trucs sur un terminal, que vos potes en hypocagne ne comprennent vraiment rien et vous êtes « Ouais, je suis trop un hacker ». Voilà. Quoi d'autre? Ouais, donc des trucs qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Vous connaissez tous Echo? Ok. En fait, bon, je le mets juste pour le stream au cas où il y a des gens. Quand vous mettez Echo un truc, le truc réapparaît. Waouh, c'est magique. Mais un truc plus utile avec Echo, c'est que vous pouvez Echo des trucs dans un fichier. Yup, et après, du coup, mince.
Oui, parce qu'en plus, j'ai pris donc un PC sous Windows, mais en plus, le clavier est pété, du coup, j'ai pas la touche A. Et là, vous voyez qu'à l'intérieur de mon test, il y a le n'importe quoi que j'ai écrit. Si vous écrivez des scripts un peu plus compliqués et que vous voulez les run, bah ça vous sera pratique parce que bah vous pourrez mettre les outputs de vos fichiers dans d'autres fichiers. Si vous voulez faire des trucs complètement dégueulasses, mais vous êtes un warrior, vous dormez pas et vous voulez faire vous-même votre propre script, server side, back-end, machin, vous pouvez vous servir de ça pour générer des HTML. Je connais un gars qui a dit qu'il le ferait quand on avait 15 ans. Il l'a pas fait. Ouais, j'attends toujours. Mais voilà, si vous le faites, je vous offre un kebab. Voilà. C'est valable pour les deux premières personnes qui le font après. Yop, il y a quoi d'autre qui est intéressant? Vous pouvez pipe des commandes. Donc, blabla, et puis pipe, et echo, blablabla. Oui, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a echo le premier dans le vide, et il vous a montré l'output du deuxième echo, qu'on va arranger ça. On va echo bullshit dans test 2, et on va echo blablabla dans test 1. Enfin, dans test 2 aussi d'ailleurs. Et ensuite, on va cat test 2. Wait. J'ai fait une connerie? Oui, j'ai fait une connerie, vraisemblablement. What the fuck? My bad. Mais je dis vraiment c'est bootleg. Oui, mais la touche E est juste à côté de la touche A Vous avez compris l'idée. Ouais, et donc encore une fois, rappel, quand vous avez un problème sur Linux, vous appelez un ami. Ou sur internet. En vrai, il y a de la docu sur internet. En vrai. Double chevron. Bon, c'est pas grave. Ok, donc en fait, non, ça marche. Comme ça, on teste parce que je vais couper le son de mon PC en fait. Voilà. Du coup, double chevron pour append. Okay. On teste. Le fameux paste. Oui! Tu disais bien, je savais qu'on n'allait pas fonctionner. Mais bah en fait, le premier a écrit zzz dans test 2 et le deuxième a à peine donc rajouté au premier ddd. Ça permet de mettre les instructions les suites à les unes des autres. Double chevron, c'est pour ajouter. Genre, ça à peine. Alors que dans le premier, ça override. Voilà. Y avait quoi d'autre que je suis supposé vous montrer aujourd'hui? Bah déjà, si vous avez des questions. Non? Ok, nickel. Ah, ça vous paraît basique? Oui. Ok. Vous voudriez peut-être aller plus loin? Je pense que ouais. Ouais, ok. Oui. Non, c'est juste pour print le.
Alors, ce que ça veut dire exactement Google, mais en fait, c'est ça te print le contenu d'un fichier dans le terminal, genre ça. Le terminal, attends. Attends. Le terminal, attends. Pourquoi je. Si je comprends bien comment tout fonctionne, en sachant que le gars 41 s'est dit qu'il ne comprenait pas comment Linux fonctionnait. Donc. Ce qui va se passer, c'est que le terminal bash est un programme. Il va appeler d'autres programmes que tu lui ordonnes de faire, enfin, d'exécuter. Vu qu'il va exécuter l'autre programme va pas modifier la mémoire dans un cat, puisqu'il n'y a aucune raison de le faire. Par contre, il va modifier l'état de ton PC en ordonnant à l'écran d'afficher des trucs. Faut que tu modifies l'état de ton écran, mais pas l'état de ta mémoire. Ok. Du coup, t'as pas besoin d'appeler des trucs. Enfin. C'est comme si tu ordonnais à ton écran qui est quelque part dans l'arborescence de rajouter un truc. Donc, ok, vu que ça vous paraît basique, qu'est-ce qu'on peut faire de marrant? Comment du L-boot? Vous savez? Mais encore. Ok, ouais, bon. Effectivement. Ouais. Tout le monde a compris? Ok. Je répète pour le stream. Déjà, est-ce qu'il y a des gens sur le stream? Ah, ok. Ok, bah déjà, du coup, déjà, est-ce que. Bonjour, le stream. Coucou. Ok, donc je répète pour les gens sur le stream. L'idée, c'est juste que vous allez avoir un bootloader. Donc, un truc qui va. C'est un premier programme qui va démarrer. Et qui va vous permettre, du coup, de choisir quel autre programme démarrer, donc soit votre premier OS, soit votre deuxième OS, puisque encore une fois les OS sont des programmes. Et donc une fois que vous avez le choix, vous démarrez le deuxième et le deuxième va démarrer les autres programmes nécessaires pour démarrer le reste. Voilà. Pour le coup, il y a grep et il y avait. Grep. Oui. Grep. Plus j'utilise. Donc il y avait Grub qui en vrai ne sert plus tellement de nos jours, mais je sais pas pourquoi il y a des gens qui continuent d'utiliser, comme ils utilisent Cygwin. Voilà. Et l'autre, je ne sais plus. Pardon? Refind. Je veux te croire sur parole. Refind. Voilà. Qui lui est plus utile à Skip, mais je n'utilise pas. Ok, il y a quoi d'autre? Ben, en fait, Grub, c'est vraiment. C'est vraiment juste une interface qui va te permettre de démarrer un des deux. L'autre gère mieux, il me semble, les partitions. Genre, il permet de démarrer par défaut sur l'un ou de spécifier que tu préfères démarrer sur l'autre et il a un meilleur BIOS, je crois. Enfin, je n'utilise pas l'autre. Est-ce que le chat a des questions? Ok. En vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire de marrant? Bah en fait, après le reste, une fois que vous avez compris ça sur Linux, si c'est juste pour l'utilisation et pas pour apprendre des trucs sur comment Linux fonctionne, vous allez surtout chercher des packages qui font des trucs cool et d'utiliser. Vous pourriez vouloir apprendre à utiliser Bash, par contre, qui est un langage de scripting qui vous sert à automatiser des tâches sur Linux. Et ça peut être vraiment puissant, soit pour faire des trucs legit, soit pour faire des trucs moins legit, soit pour confuse vos potes. Faites-le, s'il vous plaît. Il y a quoi? Ouais, donc Bash, ça ressemble grosso modo à ça. Ouais, il y a des distros plus ou moins marrantes. Kali. Il y a des distros plus ou moins utiles, genre Ubuntu. Il y a quoi d'autre? Oui, vous pouvez tout changer sur une version Linux. Genre, si par exemple, vous n'avez pas le ce qui s'affiche à l'écran sur votre Arch Linux, vous préférez un truc qui s'affiche plus comme un macOS ou un Windows, vous pouvez le changer. Il suffit juste d'installer le bon paquet et de le mettre. Mais souvent, les distros ont des paquets par défaut, du coup, on associe un look à une distro, mais c'est un peu con. Il n'y a aucune raison de le faire. Ouais,
Ouais. Voilà. J'aurais peut-être mieux fait de me préparer un peu plus. Mais en vrai, le truc, c'est que si on compare les dernières. Enfin. Je suis en deuxième année, l'année dernière, la conf Linux était. Bah, déjà, beaucoup plus de sup. Mais en fait, on nous avait dit que c'était obligatoire, sinon on serait pas venu aussi. Et. Satan qui désapprouve. D'accord. On l'a juste. Ok. Ouais, c'est une rumeur qui s'est propagée. Et en plus, les délégués l'avaient confirmé et tout. Genre, on avait demandé, et c'est obligatoire, les délégués étaient en mode oui. Et en plus, l'année dernière, ce qui se passait, c'est que les membres de GCONF étaient très ACDC. Enfin, beaucoup de membres de GCONF étaient ACDC, dont le président GCONF. Et du coup, en fait, on savait plus trop s'ils nous disaient ça en tant qu'ACDC ou en tant que membre de GCONF. Surtout qu'au début, on faisait pas les différences. Et ouais. IRC? Non, personne n'utilise IRC, ça sert à rien. Bon, a priori c'est fini, on peut passer au TP, sauf s'il y a des questions, ou si vous voulez vous-même poser une question plus précise sur Linux. C'est Discord en moins bien, sur Terminal. Voilà. Mais d'ailleurs, fun fact, je crois que Discord est construit sur un channel IRC. Yep. Du coup, en fait, ils n'ont pas fait le boulot, ils ont juste rajouté une jolie interface dessus, et ils ont dit, ouais, bah ça marche. Il y a forcément des anecdotes marrantes. Le pingouin de Linux, bah, il existe. Non, c'est tout, il fallait préciser parce qu'on parle de Linux. Et l'histoire est vraiment drôle. Linus se promenait dans un zoo, il a vu un pingouin, il a dit, bon, bah ça va être notre mascotte. Mais c'est pas lui qui a dessiné, lui avait dit, je voulais un pingouin en mascotte, et je crois que c'est un Australien qui a dessiné le pingouin. Mais faut vérifier. Yop. À part ça. Non, vraiment, à part ça, on est allé plus loin que. Enfin, on est allé aussi loin que ce qu'il fallait qu'on aille tout à la fin. Tout TP? Ok. Vous pouvez vous partir à n'importe quel moment d'ailleurs si vous ne voulez pas faire le TP. Et le bonsoir au chat. Non, en vrai, pour le chat, on va mettre le TP sur. Oui? Sur Discord? Débrouillez-vous pour utiliser Discord, franchement. Non, en plus, non, blague à part, tant que vous êtes là. Vous utilisez quoi comme. Enfin, comment on contacte des sup? Sur Discord, enfin. Ok, donc en fait, il faudrait envoyer un MP à chaque personne dans la promo. C'est pas très faisable. Ok. D'accord. Ok. Du coup, en fait, faudrait. Vous utilisez pas d'autres réseaux? Non. Ouais, WhatsApp, c'est le même problème. Ok. Moi, ça va être dur de vous contacter la promo. Bah, ouais, j'ai raté le stream.